Ah, et bien salut, c'est Agi, bienvenue pour cette nouvelle série sur The Legend of Zelda Skyward Sword. Donc, je l'avais déjà fait sur la chaîne, c'était au début de la chaîne, donc c'était pas commenté, en plus c'était en mauvaise qualité. Donc là, on va le refaire, attention, commenté, en HD et en mode héroïque, un peu comme Zelda Wind Waker. Donc voilà, Zelda Skyward Sword qui est sorti en 2011 hein, sur la Wii. Voilà, donc on va pouvoir y aller, je pense. Ah, bah, il y a la cinématique qui se met. Ok. Alors, on est paré pour le mode héroïque, mon frère. Après, ça me donne un thème. D'accord. Bon, on va s'appeler Agito, hein. Passez-matoire. Mais on s'en fiche. La salle de la cinématique, je vous laisse. Legend of Zelda 25th Anniversary. D'ailleurs, j'ai le CD de musique. C'est vraiment pas mal les thèmes orchestraux des musiques de Zelda. Ah, un oiseau! Ah! Putain, déjà ça commence bien. Alors, Zelda Skyward Sword, hein, qui est mon Zelda préféré. Pourtant, il y a pas mal de gens qui critiquent et franchement, je comprends pas pourquoi. Parce qu'au niveau du gameplay, ça a carrément changé, c'est ça qui est magnifique. Et franchement, les graphismes, c'était nouveau. C'est un peu ressemblant, c'est du cel shading en même temps, mais. Ça ressemble un peu à Wind Waker, mais bon, franchement, là, pour moi, c'était nouveau. Shogun, Shogun Tonight! Ouais, donc niveau gameplay, franchement, moi je trouve ça super. Le fait de manier son épée comme ça avec la direction de notre main avec la Wiimote. Hein? Ouais, ils me disent de passer puisque c'est en mode héroïque comme j'ai déjà fait en mode normal. Ah, j'ai oublié de prévenir aussi. Je le fais à 100%. Donc 100% des cœurs, hein. 100%, 100%, avec 100% des cœurs. On va faire comme avec une voiture, de toute façon. On va aller prendre tous les cœurs en faisant de l'héroïque. Agito, le temps de s'éveiller. Bientôt, la grande destinée qui vous attend se mettra en marche. Il est temps de s'éveiller. Agito, Madas. D'accord. Bon, je m'appelle Madas en termes. Là, Zelda. Madas! Eh bien, salut tout le monde, c'est Madas. Oh, c'est horrible. Ça fait rager quand même. Oh! Attends, ça commence bien. Bon, comme dans tout bon Zelda, qu'est-ce qu'on fait au début du jeu? Eh bien, on dort! Voilà. Apparemment, cette saleté de piaf m'a réveillé. M'a foutu la chouille, hein. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais oh! Peu de respect, jeune homme! Allez, casse-toi. Tu craches une lettre à la gueule. Tel que je te connais, tu devrais encore être en train de dormir quand cette lettre est arrivée. J'ai vu juste. Alors bonjour, Agito. Voici enfin venu le jour de la chevauchée céleste. On a rendez-vous ce matin, tu t'en souviens? Ouh, rendez-vous. Zelda. Oh! Oh la petite Zelda! Ah, ça t'es content, hein? Il n'y a pas que toi. Alors, premièrement, on va prendre la skia là-dedans. Il y a 5 rubis. Voilà. Oh, 5 rubis. Pour le début, c'est déjà bien. Alors, faut sortir. Je pense aussi qu'au niveau du commentaire, je vais le rendre un petit peu plus léger. Quand même, je me suis rendu compte quand je fais un let's play, je parle beaucoup, j'explique beaucoup ce que je fais et tout ça. Alors, on va rendre un petit peu plus léger ça, on va essayer.
de Célestbourg. C'est sympatoche. Hey, j'ai tout par ici. Bon, il est pas vieux, mais c'est pas grave. Ça lui va très bien, tu vois. Bonjour, Agito, un petit signe frotté au monde héroïque. C'est très courageux. La cheveux, c'est sérieux aujourd'hui. Tu te sens l'attaque. J'ai quelque chose à te demander. Alors, regarde vers moi, là. Ok. Bon choix. Hop là. Oh, oui. Oh, oh. Parce que maintenant... Ok. Bon, il explique les bases. Le nombre de cœurs que tu perds à celui sur les dégâts est doublé. Ah, boum. Bah ouais. Bon, tu peux me laisser partir, s'il te plaît ? Sauf si te blesser à enfoncer. Quand on faut courir. Hop là. Alors. Ouais, t'as vu ça. Je sais. Bah j'en ai rien, mais tu m'en empêches depuis tout à l'heure. Voilà. Yo. Yo. Comment tu as rendez-vous? Oh bah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Figure-toi que Miyu, l'animal de compagnie de Kaopera, directeur d'école, s'est encore enfui. D'accord. Alors on vient de commencer, on me demande déjà des choses. Hein. C'est fou ça. Mais peut-être Link quand même, mais faut pas abuser non plus. D'accord, on va te ramener ton Miyu. Bonjour Miyu. Allez, on s'accroche à cette petite barricade. Et on peut mettre des coups secs. Bon, hop. Mais ça utilise la barre de stamina. La petite pulpe verte. Hop là. Hey, oh, Agito. D'accord, tu me vois pas, toi tu m'appelles comme ça d'un coup. Ouais. Waouh, tu connais la map par cœur. Génial. Et on court sur la caisse. Et on va chercher une Miyu. Oh, Miyu. Oh. Il est pas mignon. Je peux pas le montrer plus près. Regardez, on dirait un Gremlins. Oh, c'est si doux et tout ça. Non, en fait, c'est une grosse merde ce truc. Parce que la nuit, ça devient autre chose. Petite merde. Tiens, ton chat. Y'a pas de quoi. La place du temple. Alors comme Zelda Wind Waker, je vais partir sur des épisodes de 30 minutes. Du moins entre 20 et 40 minutes. Pour que je trouve des statues comme ça en fait qui permettent de sauvegarder. Donc chaque fois que je vais arrêter un épisode, il faut au moins que je sois à côté d'une statue. Agito, bien le bonjour, t'as bien dormi cette nuit. Tant mieux, j'avais peur que j'arrive pas à dormir à cause de la chaude chez Céleste 2. Quoi, moi? Eh ben je répare cette porte. Ces derniers temps, elle ne ferme plus très bien. Une cérémonie importante va se dérouler aujourd'hui. Alors il faut qu'elle soit réparée. Mais dis-moi plutôt, est-ce que tu as bien fait ta prière à la déesse ce matin? Voilà. Je vais me mettre sauvegarder. Ouais. Prudence et merde sauté. Vous avez obtenu une belle endurance et les fruits sont vitaminés. Remplissez immédiatement votre jauge d'endurance. Je suis trop gay en fait. Mon petit rendez-vous. Chante bien, je sais. Ce petit retournement avec les cheveux. Oh. Bonjour, Agito. Ah, tu me fais de l'effet, toi. Franchement, la Zelda, c'est de Skyward Sword, c'est la plus mignonne de tous les Zelda. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, je trouve que c'est la plus swag. Ylmir.
Tu vas me faire craquer à faire ces petits gestes comme ça. Ah, ça tombe, je serai d'aise pour un jour. Je voulais que tu sois le premier à me voir. Ouh. Sublime. Je savais que ça te plairait. Merci, je te regarde moi ses yeux. Oh, kawaii. Oh, oh Zelda, es-tu prête pour la cérémonie? Père. Et moi aussi, je suis beau, hein? Tu trouves pas, Gito? On dirait que tu as réussi à te réveiller tôt aujourd'hui. Alors, les sourcils, ça rappelle le hibou qu'il y avait dans des Zelda, notamment Ocarina of Time. Moi, il me rappelle ça, du moins. Et alors? On peut pas dormir tranquille? Comme ma jeune fille. Il est certain qu'il n'est pas facile de remporter le championnat céleste. C'est épreuve qui requiert mouvement, tant avec son oiseau et beaucoup de technique. Ouais. Et puis il y a ce lien particulier qui unit à ce célestrier. Nous, les habitants de Célestbourg, avons tous un oiseau qui en quelque sorte notre alter ego. C'est la bénédiction de la déesse qui nous unit à ce oiseau protecteur, les célestriers. Sa prime jeunesse, chacun d'entre nous a rencontré son oiseau, ici même devant la statue de la déesse. Mais dans le cas d'Agito, une chose incroyable s'est produite. C'est un célestrier vermeil ou oiseau d'une extrême rareté qui s'est présenté à lui. Nous croyons cette espèce éteinte. Agito et son oiseau vermeil sont unis par un lien mystérieux. Zelda, te souviens-tu de leur première rencontre? Dès les premiers instants, ils volaient ensemble dans le ciel avec grâce et aisance, comme s'ils ne faisaient plus qu'un. Je me souviens comme si c'était hier. Oh, tu étais jalouse! Ah, elle est trop mignonne. Putain, Zelda Skyward Sword, c'est beau, franchement. Ouais, je comprends pas les critiques. Certains sont toujours jaloux. Ouais, beaucoup apprécient Twilight Princess. Mais franchement, au niveau du gameplay, c'est pas... C'est pas extraordinaire non plus, après il fait partie aussi de mes préférés, Twilight Princess. Mais, ouais, voilà quoi. La manière de manier son épée dans Twilight Princess est assez bizarre en fait. Vas-y, baisse la tête. Agito, allons nous entraîner un peu! D'accord, je me fais soumettre par une fille. Mais bon, c'est Zelda, je veux bien. Viens maintenant, plonge d'ici, appelle ton ancestrier comme tu fais d'habitude. Je pense que Céleste aura lieu très bientôt, alors il faut s'y mettre plus sérieusement, ok? Que dis-tu? Tu ne perçois pas la présence de ton célestrier? Ça suffit ces histoires. Tu penses t'en tirer grâce à ce qu'a dit Père? Je t'en prie, il faut t'entraîner maintenant. Wow, j'ai eu du mal pour cette phrase. Allez, bon! Ok. Où est mon célestrier? Ton célestrier? Il n'a pas l'air de venir. Ah bon? Oh! Ça n'a pas l'air de plus t'inquiéter, hein. C'est gentil, hein. Je m'envoie un peu dans le vide. Mais... Rien de cassé. Excuse-moi, je t'ai poussé à la milieu de tes forces, tu n'es pas blessé. Je demande bien où est passé ton célestrier, Agito. Il n'est pas venu alors que son maître l'a appelé. Agito, tu ne perçois toujours pas sa présence? À peine quelques instants avant la chevauchée céleste, voilà qui est gênant. Agito, tu disais donc la vérité tout à l'heure, excuse-moi. Allez, je t'en veux pas. Je vais rester ici pendant que mon oiseau se repose. Il faut que tu partes à la recherche du tien. Ouais. C'est ce qu'on va faire, ma petite Béomorigile.
Oh, les grelots sonnent. Oh, l'heure avance, c'est Maître Ulule, le responsable de la GCS cette année. Et donc, pourquoi n'iras-tu pas lui parler de ton problème? Père, vous avez oublié que c'est vous le directeur d'école, Maître Ulule viendra certainement vous soumettre le problème. Oh, j'oubliais. Ah, c'est bien vrai, ma fille. Très bien, je vais tout expliquer à Maître Ulule. Oh, je suis maître d'école. Ah, j'ai oublié. Ah. Oh, pauvre petit oiseau. A trop travaillé, hein. T'as pas l'air d'avoir fait peur. Bon, que je dormais. Voilà. Allez, on y va. Ça fait toujours autant marrer de courir comme ça. Et franchement, le style pour courir à faire des roulettes comme ça, c'est top, hein. Coucou toi. Katia, j'ai tué tout Paul, comment? Toi, ça serait disparu? Mais c'est terrible, tu penses pouvoir le retrouver? Bah oui, c'est ce que je fais. Oh, la blague! BDM. Ah, même moi, je fais mieux. T'en fais pas, moi, c'est un nid. Recherchez ton satané, c'est gentil. Alors, je dois me rendre sur la place. Maintenant, ici, c'est ouvert. Alors, petit chopper, qu'est-ce que tu fais, là? T'es moche, hein? Ouais, t'as réussi, mon jeune de bourre. Et attends. Ah, il en faut peu pour les enfants. Ça va être content. C'est bien, mon bout de chou. Oh, elle est partie, bah, t'es... Ok, on continue. Oh, il est parti mieux aussi. C'est ici qu'il faut se rendre. Hein, boss? Ouais, c'est sûr que ce serait merveille est un dur à cuire. Mais même ce piaf de compétition aura bien dur à sortir de là où il est. Ça sent vraiment moche. Ouais, Jito, ça fait combien de temps que t'es là? Je me demande ce que tu viens faire ici. Ah, je sais, la chevauchée céleste, c'est aujourd'hui, non? Tu es venu pleurnicher devant le grand Ergo au porte de l'escalier. Voilà pourquoi tu es là. Tu meurs d'envie de te retrouver en tête à tête avec Zelda pour la cérémonie à la statue de Hadès. Je comprends. Ah, je crois que toi et moi, enfin plus ou moins vous et moi, ce soir, on va faire des cauchemars. Parce que vu la gueule de con qui se tire. Oh, mais au fait, je vois nulle part. Ton poulet, qui sauce ketchup. Ouais, c'est pas ta coupe. Quoi? Tu m'as redouté de mon sens de l'esthétique. Je sais pas. On dirait que t'as un pénis sur la tête, mais bon. Bah oui, je suis chouchou, et alors? T'es jaloux, hein? Pire ton gros doigt, là. Je sais pas où tu l'as foutu, en plus. Et ça ne m'intéresse pas de savoir. Oh! Qu'est-ce que j'entends? Oh! Zelda, je sais. Oh! Mais ça, les amis, ça c'est de la meuf. Ergo, tu en es encore un chito? En tant qu'élève de l'école de Shoren, nous sommes tous camarades. Non. Pourquoi t'achètes-tu sur un chito? C'est-à-dire que. Ouais. Je t'écoute. Oh. Ah, y'a pas que toi, petit Ergo, je te comprends. On va tous craquer. Hein. Non, rien. Bon, à plus, Agito, je te rappelle que si tu participes à la chevauchée, t'auras pas ton année. Qu'est-ce que tu vas faire si tu retrouves pas ton rougeau préféré? Bon, là, vous voyez pas, mais je fais un bon gros doigt d'honneur. Voilà. Ce sont peut-être bien ces trois-là qui ont enlevé ton sestrier. Eh ben, je crois aussi. Je vais commencer à chercher ton oiseau dans le ciel. Que toi plaise. Et s'il l'enlevait, chercher un ciel, ça servira à quoi? Ah, c'est sympa, ça. En même temps, je suis le héros. On me doit ce respect. Tout.
Ok. Donc on va chercher. Où est-ce qu'il faut aller? Mais de toute façon, moi je faut aller. Donc on va y aller directement. Hein. Alors on va se retrouver près de l'école. Regardez là où il y a un petit coffre. Ça, ça ira chercher plus tard. Oh merde, j'ai couru trop. Bon, tiens, là on voit. On est crevé si on va. On utilise toute la part de stamina. Voilà, c'est ici. Agito, tu tombes bien. J'ai mené ma petite enquête sur la disparition de ton Célestrier. Quand j'en ai parlé à Célestin, il a fait une drôle de tête. Donc je lui ai tiré les verres du nez. Visiblement, Ario s'est arrangé pour le faire taire. Allez, à vous maintenant. La cascade, ok. Fais-moi voir ta carte. Donc d'accord. Là il montre la carte et donc la cascade c'est là où il y a la croix. Je mets mon petit pointeur dessus, c'est juste ici. Avec le bouton plus, ouais. Pardon, je suis qu'un poltron, je suis vraiment désolé. Oui. Et c'est même peu dire. La salle d'escrime, on y va. Donc c'est la salle d'entraînement. Et on va pas parler à ce gros patapouf, on va aller derrière. Et le petit coffre. On va l'ouvrir. Si tu veux bien te placer, s'il te plaît. Merci. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous avez donné une épée d'entraînement. Voilà. Maintenant, on peut partir. Alors, ce qui est bien dans ce Zelda-là, on est obligé de faire l'entraînement. Hey, Gito! Il est interdit d'emmener les armes à l'extérieur de la salle. Tu croyais que je m'en apercevrais pas ou quoi? Comment? Ton Célestrier est introuvable. Tu veux partir sans charge, bien entendu. T'inquiète pas, je veux pas utiliser l'épée. Juste planter Ergo et ça avec ma grosse épée. C'est parce que c'est une grosse épée, je vais aller le montrer. Bonne épée tranchante. Ok, donc on va se diriger vers la cascade. Oh 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 oh. Un boing boing. Une pierre Sheka, je crois que ça s'appelle. J'ai besoin d'un boing boing. Pourquoi boing boing? Tu vas voir tout de suite après. Moi j'ai une pierre Sheka. Oh, tu savais déjà? Je vais avoir le topo. Comme tu joues en mode héroïque, ça veut dire que tu as réussi à résoudre toutes les énigmes. Alors je te tire mon chapeau et je vais te permettre de consulter toutes les visions dès le début. Ah, mais nous on va pas le faire, ça va être du spoil sinon. Donc voilà pourquoi j'appelle boing boing. Boing boing. Et plus tard on va faire ça. Oh, c'est beau. Regarde la maniabilité, franchement, un coup à droite, un coup à gauche, un coup devant. Hop, un coup comme ça, et un coup comme ça. Franchement, c'est... Je trouve très original le gameplay, franchement fantastique. Du moins, les moves, le Link, sont géniaux. Ok, alors, on va aller vers la cascade. Oh oui. Allez, on va prendre toutes les belles endurances qui sont sur notre chemin. Raté. Encore une là. Il va falloir que j'active toutes les pierres oiseaux aussi. Hein. Plus grande exigence. La cascade, c'est ça là-haut. Voilà, c'est ça. Juste devant. Les musiques, franchement, aussi. T'en penses quoi? Elles sont pas mal. Voilà. Allez, on va par là-haut. Oh mon oiseau! Mon piaf, mon poulet! Voilà. Ah, franchement, ça fait plaisir de rejouer à Skyward Sword. Ça fait super longtemps que j'ai pas joué, franchement. Je suis en train de re-kiffer, hein. Pas pour essayer mon Zelda préféré. Non, c'est peut-être le Zelda que j'ai moins joué en plus.
Vous obtenez un rubis vert. Vous êtes obligé de me mettre un petit truc comme ça pour un rubis vert, sérieusement. Alors, on va aller là. D'abord, il y a des rubis. Voilà. Sa valeur est de 20 rubis. Okay. On monte, on monte, on monte, on monte. Les chauves-souris. Casse-toi. Pour l'instant, sur ces chauves-souris, on est obligé de mettre des coups comme ça parce qu'ils se situent. Oh, là, putain, un truc. Parce qu'ils se situent vers le haut. Vous avez obtenu une griffe de monstre. Ok. Ah merde, eh. On garde les objets qu'on avait en mode normal. Oh putain, du coup ça spoil un petit peu le truc. Bon bah. Tant pis hein. Oh, tu vois, si on prend le mode de rue. Oh, y'en a un insecte là. On va aller le prendre tout de suite. Tiens, tiens, tiens. Là on fait que vraiment que ça. Mais bon, on peut faire juste ça. Mais plus tard, on prend ça. On va faire plein de trucs. Voilà. Allez, on arrête les conneries et on y va. Ok. Alors là-dedans, on va aller là en premier. Voilà, c'est des rubis. Avec une roulade pour aller plus vite. Ouais, je sens qu'ils se sont cassés. Pas assez. Je peux sortir. Sortie de la grotte. Un petit oiseau là, on va pas le prendre encore. Ah! Agitant! Je savais que je trouverais ici, Agito. Quand on m'a dit que tu étais du côté de la cascade, je t'ai cherché depuis le ciel. Alors, tu as trouvé ton célestrier? Non. Bah oui, 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 j'ai trouvé là. Enfin, pas trouvé, mais on l'a vu, on l'a entendu, je vois. C'est vrai qu'Argo et sa bande traînent souvent par ici. Allons voir. Hein? Alors, t'as encore son son? Le petit son qu'elle avait entendu à le début aussi. Qui est là? J'entends quelqu'un qui m'appelle. Ah, excuse-moi, j'étais ailleurs. Bien, allons-y. Allez, on y va, ma mignonne. Je peux pas porter. Oh, c'est dommage. On aura pu voir des choses. Bon, bref. Allez, on y va. Ah, ah, ah. Ah, le voilà! Ah, mon piaf! Ok. Je vais te sauver! Mais pour le prochain épisode, oui, parce qu'on va s'en arrêter là, parce qu'après il va se passer plusieurs événements. Donc je vais pas continuer, sinon on va dépasser les 30 minutes. Oh, t'inquiète pas, ma belle. On ira la sauver pour le sauver. Enfin, je sais même pas si c'est un truc en normal. Coucou. Bon, c'est un truc. Et en fait, quand je me casse. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Bon, allez, allez. Bon, ma mignonne, on ira chercher pour le prochain épisode. Donc, j'espère que tu auras apprécié ce premier épisode de cette nouvelle série. Donc, j'avais déjà fait, mais bon. Alors, on refait en commenter en mode héroïque avec 100% des cœurs. Je le rappelle. Et voilà, j'espère que tu apprécieras cette série, que tu me suivras tout le long. Et sur ce, porte-toi bien et à la prochaine pour l'épisode 2 de Zelda Skyward Sword. Allez, salut!